Bon, Alex, je vais t'emmener lâcher un pote à nous, hein, chez Marc Ducobu, à Waterloo. Ah, bien sûr, oui. Donc, un super type. En plus, un de nos ambassadeurs. Oui, ouais, donc il va vraiment nous donner ses concepts de Noël gold. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il va nous sortir aujourd'hui? Je crois qu'il va nous surprendre aujourd'hui. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je crois qu'il va pas... Mais bon, on y va. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on... Salut Marcus. Comment vas-tu? Bon. Et toi, ça va? Bonjour Marc. Oui, ça va? Tu vas bien? Forme? Alors, tu sais, là maintenant, on revient d'un concert du groupe SX avec Stéphanie Calbeau. Ok. Donc tu vois un peu Calbeau. Ouais. Alors eux, ils ont un truc, c'est le thème, c'est gold. Donc on vient quelque part chercher de l'inspiration chez toi sur le thème gold pour les fêtes de fin d'année. Okay. Donc je propose qu'on te suit. Et qu'on aille voir ce que tu nous as préparé. Merci. On monte. Bon, mon cher Marcus, on est dans le thème gold. Voilà. Hein, on attend un peu, quelque part, tes inspirations. Je vois que tu es déjà en pleine action. Il est au plein travail. Voilà. On est en train de mettre la poudre d'or dans les moules. Donc, j'ai praliné voilà, comme on dit à Bruxelles. Donc, elle consiste en quoi alors exactement? C'est chocolat au lait, on met un caramel au beurre à l'intérieur et puis on termine avec un praliné cacahuète. Cacahuète, et pourquoi la cacahuète? Qu'est-ce que ça t'a inspiré d'utiliser la cacahuète? J'aimais beaucoup le sneaker quand j'étais gamin, donc là on repart là-dessus. Tu l'as revisité pour les adultes façon exactement. De parler. Okay. Et donc là on est en train d'appliquer la poudre d'or pour avoir un petit effet nacré sur la praline. Le choix du pinceau est assez important. Là, tu as pris un plumeau avec des poils bien évasés. Évasés, exactement, et comme ça. C'est un beau résultat bien régulier. Petit côté magnifique. Nacre. Voilà. Bien brillant maintenant, on peut le mouler. Hein. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Magnifique. Voilà, on va laisser cristalliser, on va les gratter après. Et puis on va mettre un caramel au beurre, qu'on fait aussi un caramel maison avec de la vanille et la crème fraîche à 40%. Magnifique. On va goûter ça. Voici, s'il vous plaît, Marc. Donc ici, on a laissé le caramel cristallisé une petite heure au frigo, histoire d'avoir une pellicule. Et alors ici, on va insérer le praliné cacahuète, fait maison aussi, qu'on emploie également en pâtisserie, en boulangerie et surtout en chocolaterie. Voilà Marc, après le temps de cristallisation, on voit. Hein, ah oui, voilà. Bien cristallisé, il brille en plus. On va pouvoir fermer combien de temps. Donc là, on l'a fermé. Puis là, on va le laisser cristalliser à son aise. Nous, on ne travaille pas trop avec le frigo, on préfère une chambre froide à 15 degrés. Ok, parfait. Cristallisation complète. Voilà. D'accord. Je te prends, j'ai un moule parce que je crois que tu en as fait déjà à l'avance. Ils sont déjà prêts, ouais. On va
près une petite demi-heure, hein, passer au... Marc, moi j'ai préparé déjà un petit couteau parce que je suis impatient de voir un petit peu l'intérieur. Je peux en couper un ? Tout à fait, vas-y. Ok, je t'en prie. Magnifique. Voilà. On voit le praliné. Je vais me mettre plutôt au bord de la table. Ah ouais, on voit bien le. Ah, le bicouche. Hein. Le bicouche ! Voilà. Eh oui. Un nouveau terme, le bicouche. Le côté gold aussi, hein, du caramel. Et puis le petit praliné maison croustillant à la cacahuète, légèrement salé. Nous, on va goûter. Vas-y, Marc, si on peut. Vas-y, je t'en prie. Le sneaker, à revisiter. Un sneaker, ça. C'est vrai, ouais. Un vrai sneaker, ça. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est génial. Et bien doré aussi, un bel effet. Bon, Marc, ça fut le premier, voilà. Sous le thème gold, la pralinecus. Maintenant, on est vraiment curieux et enthousiaste de voir le deuxième, parce que ceci était... délicieux, c'est plus qu'un sneakers revisité pour adultes, super. C'était magnifique. Donc, up, the second one. Hein. On passe à l'autre. On est génial. Prêt. Génial, on est prêt, on y va. Ok, maintenant je vais vous chercher la deuxième création, Gold. Et il va où lui ? Enfin, il est parti la chercher, on va voir. J'ai une inspiration. C'est classique. Wow, wow, wow. Wow. Joli, joli. Donc là, c'est une bombe glacée, chocolat, avec un 70-30 oui. De chez Talbot. Et un parfait de café, biscuit au chocolat. Meringué, alors on a mis du gold par-dessus, pour une fois changer le chalumeau. Oui, et alors tout à fait. On garde un peu un côté plus ancien avec la nougatine, qui est quand même fort appréciée en boutique. Comme le style croquant en bouche. Voilà. C'est... Tu vas nous montrer comment on réalise ça, voilà, Marc ? Je vais vous faire ça. Donc Marc, on commence par la glace au chocolat ? Voilà, tout à fait. Sorbetière, on l'extrait maintenant, voilà, magnifique. Je suis là avec les cuillères pour qui veut goûter parce que moi, je suis toujours, comme tout le monde le sait déjà, impatient de goûter. Voilà, on a vraiment ce goût chocolat, cacao, le parfum, c'est génial, c'est très très bon. On passe au moment suprême, Marc. Voilà. Là, on va je faire... vais aller chercher la glace. Je crois que là, elle est bien cristallisée, elle est bien dure pour faire la finition. Hein. Exactement. Et tu as une technique spéciale que tu vas nous montrer. Alors, tu peux me passer le tourniquet, Alexandre. D'accord. Voilà. On a préparé la meringue. Meringue italienne. Meringue se marie italienne. Toujours très bien avec la glace. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Ah oui, j'ai un petit truc. Tu mets une petite lavette humidifiée pour pas qu'ils partent dans n'importe quel sens. On est vraiment dans le gold là, hein, Marc, tu nous envahis voilà. De gold. Ok, super. Alors ce qu'on apprécie encore bien dans les glaces, c'est la nougatine, hein, donc à l'ancienne. Ici on n'en met pas trop, pourquoi ? Parce que
aux fins de repas, ça reste souvent, souvent sous l'assiette. On respire l'or. Hein. Et ce que je vois aussi, c'est qu'elle est très fine. Ce qui est bien, parce que souvent, la nougatine, on l'a épaisse, ça colle un peu. Tout à fait. Dès le moment où on doit faire une corne d'abondance ou un panier, on est obligé de le faire plus épais. Tandis qu'ici, on peut aller plus fin. Ah oui, ok. C'est une portion de combien, ça, Marc? Alors ça, c'est 6 personnes. On compte 120 grammes par personne. D'accord. Au niveau de la glace. Les entremets, c'est un peu moins. Last touch? Voilà, alors ici, le tourniquet, ça nous permet de bien tourner autour aussi. Alors ici, on a fait un moule en thermoformage. Le snowflake. Voilà, avec un petit candy qui nous fait rappeler la glace. Avec un joyeux... La neige, quoi. Voilà. La cristallisation, les cristaux de neige. Joyeuse fête. Et voilà, la glace. C'est parfait. Eh bien, bravo pour cette deuxième création, Golden. Marc, dans le thème de Gold. On est bluffé. Super, on est bluffé. Et bon, quand on regarde un peu dehors, le temps ne le permet pas. On n'est pas vraiment dans une saison de glace. Ouais, exactement. Mais on va quand même essayer de la savourer, une stummeling, comme on dit, par après, hein, ensemble. Ouais. En tout cas, un tout grand merci pour cette deuxième création. Pas de quoi. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël! Bon voilà les gars, maintenant c'est à moi de vous demander un défi. Je te connaissant. On va monter les marches, 385 marches, la butte de Waterloo. Jusque là? Voilà. On va aller caresser le lion. Voilà. Ok. Ok Marc, merci beaucoup. Prêt pour le défi? On voilà. va y aller. Go. 3, 2, 1, c'est go, go. Allez Patrick, tu peux y arriver. J'ai gagné. Quoi, t'as réussi ton défi? Impeccable. J'aurais jamais cru, mon enfant. Non. Ben, comme quoi je peux épater la galerie parfois sur votre niveau aussi. Il n'y a pas que la profession. Exactement. Ah ben voilà, exactement. Super, merci Marc. Ouais. Alors Marc, les chocolats qu'on a fait déguster ici à plusieurs personnes, je sais que tu as une grande gamme de chocolats chez Ducobu. Tu peux nous en dire un petit peu plus? On a quoi, 30, 35 pralines, proprement parlant. D'accord. Et après, on a tout ce qui touche le chocolat, les tablettes, orangettes, enfin tout ce qu'on peut trouver confiserie. Dans une chocolaterie. On aime beaucoup la confiserie aussi, ouais. De plus en plus. Oui, parce qu'on a vu les chouettes petits bonbons. Oui, les bonbons, les pâtes de fruits, enfin les guimauves sont forts d'actualité. Enfin, je trouve qu'on va vers la confiserie nouveau. Ouais. Tu exportes aussi tout ça ou non, pas c'est du tout. plutôt chocolat. Tablettes, plutôt chocolat. Et la maison Ducobu, elle est. Enfin, je veux dire, les chocolats, la maison Ducobu, on les trouve ici à Waterloo. Oui, ici à Waterloo. Et puis, on livre quelques épiceries fines. D'accord. Sur la capitale et puis aussi un peu à l'étranger. Quoi. À l'étranger? Ouais, tu vas jusqu'où? On va jusqu'au Japon. Ouais. Ah oui, jusqu'au Japon. Plus la période de Saint-Valentin. Là. Ah oui. Ouais, c'est assez fameux durant cette période-là. Exactement. Ils adorent les chocolats. Ils sont au fous Japon. De chocolat belge. Ouais. D'accord. Super. Dingue. Marc, super journée, mais elle n'est pas terminée. Ah bon? Oui, on t'avait lancé un petit défi il y a quelques temps avec le moule concept Calbo pour la Noël. Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps. Exactement.
J'ai eu le temps, mais avant ça, je vais faire mon or à moi. Ah bon? Pour réaliser justement ce concept. Ton or? Voilà. Magnifique. Caramel. Hein. Mais c'est comme de l'or, hein. En fait, c'est mon or à moi. Oh super, génial. Tu vends ton or. Voilà. Ok. Ici, je mets mes amandes chaudes. Chaudes. Qui sont. Attends, je vais te le tenir comme ça. Micro-ondes ou bien au four. Hein. D'accord. Voilà. Pour éviter que ça bloque immédiatement. Sinon, on a un bloc directement. On fait toujours un caramel avec un cuivre. C'est un bon conducteur de chaleur. Et après, hop. Je vais couler. Ça, on peut faire avec les noisettes, des pistaches, on peut faire ça avec de tout. Des fruits confits aussi. C'est un peu la base d'un praliné. Hein? Voilà, exactement. On retourne aux bases là. Tout à fait. Ça m'a l'air très bon en tout cas. Hein? Tiens, ici. On dirait même de l'or transparent quand on regarde. Mais c'est cet or-là que j'ai employé pour faire le défi. Ah oui. Parfait. On est curieux de voir, Marc. Ce que tu nous as concocté avec ton or. Voilà. Wouhou. Wow. Ici. C'est magnifique. Bon, ici, le premier sapin qu'on a réalisé ce matin avec les amandes et les noisettes caramélisées. Mm-hmm. On a accentué, comme disait Patrick, avec la feuille d'or. On l'a fait un peu, on va dire, un peu plus moderne que le simple cône. Ensuite, on est parti sur un deuxième, plutôt chocolat noir, avec des Rice Krispies autour, qu'on a pulvérisé après, accentué le rouge de la Noël. Donc, ceci, au fait, c'est les Krispies Calbo. Exactement. Je vois que tu as utilisé les laits. Hein. Voilà, exactement. Parfait. Pour avoir des teintes différentes dans le montage. Des petits décors feuilles. Ici, on dirait un peu un sapin mendiant, oui, comme ça on voit des fruits confits. Il y a des pâtes de fruits, tu vas me dire. Oui, un sapin gourmand, donc avec des orangettes, des amandes caramélisées, pâtes de fruits, tout ce qui est... Spécialité aussi, de la maison. Voilà, on a travaillé aussi le caramel qui, de nouveau, repartir sur l'or. Alors, celui-là, j'adore, là, les petits caramels. On est très fiers de le faire ici dans la maison, les caramels au beurre. Et on met ça en évidence pour la Saint-Nicolas, la Noël, même sur les entremets, on ose mettre des petits caramels. Et le dernier avec la même décoration? Le dernier aussi, un peu plus simple, avec un gros flocon neige, des plus petits en bas. Et voilà, ça représente vraiment Noël. Patrick, le défi, il est relevé? Pour moi, le défi est relevé, il est réussi en même temps. Ça nous donne encore plein d'inspiration pour le futur, tout comme les gens qui vont regarder. Donc super, merci à tous de grand merci Marc pour cette journée merci en tout cas. Merci Marc, super, un grand merci.